je suis Sylvie Benzoni, la directrice de cet institut Henri Poincaré. Donc avant de lancer le workshop, je vais vous en dire quelques mots. Je salue également les personnes qui nous suivent à distance. Alors, je voulais vous dire quelques mots sur le LIHP, parce que tout le monde ne connaît pas forcément, et en particulier insister sur le fait que depuis sa refondation au tournant des années 80-90, l'Institut Henri Poincaré, qui est la maison des mathématiques, elle se veut basée sur un triptyque, et ça c'est selon les mots de Michel de Masure, qui avait été un peu l'artisan de cette refondation, le triptyque étant constitué d'une bibliothèque de rang mondial, un centre de recherche à thème, appelé Centre Émile Borel, et aussi un lieu d'ouverture des mathématiques sur le public. Alors ce troisième volet du triptyque se concrétise aujourd'hui dans ce qu'on appelle la Maison Poincaré. Après une bonne dizaine d'années d'initiatives en direction du public, des entreprises et de la société, en général. Un certain nombre d'initiatives lancées et portées par mon prédécesseur Cédric Villanet sont effectivement dans l'esprit de cette refondation des années 90, qui avait été voulue, je cite quelques noms, par Jean-Pierre Aubin, Michel de Masure, Nicole Elkaroui, Bernard Tessier, avec le soutien des sociétés savantes, en particulier la Société mathématique de France, que nous hébergeons, mais nous hébergeons aussi la Société de mathématiques appliquées et industrielles, la Société française de statistique, la Société française de physique également. Et j'ai le plaisir d'accompagner aujourd'hui toutes ces initiatives. Alors, je voudrais maintenant passer au workshop. Donc, ce workshop participe de la volonté d'ouverture de l'IHP sur la société, et en particulier du renforcement entre le monde académique et le monde des entreprises. Je dirais que c'est une sorte de première. Avant l'ouverture, vous avez vu le chantier peut-être en arrivant en face, avant l'ouverture du bâtiment Perrin en 2022-23. Et cette ouverture, donc avec des nouveaux locaux magnifiques, devrait permettre de multiplier les initiatives du genre de ce workshop. De façon assez remarquable, l'organisation du workshop a été prise en main conjointement par, d'une part, la Maison Poincaré, avec sa responsable Marion Liévig, et puis le Centre Émile Borel, avec sa responsable Sylvie Lhermitte, en interaction avec les entreprises partenaires de l'IHP et de son fonds de dotation, qui joue un rôle tout à fait crucial dans les projets de l'IHP. Donc j'en profite pour remercier ici toutes celles et ceux qui travaillent depuis maintenant, je crois, plus de 2 ans à ce workshop, la pandémie nous ayant contraints à le repousser, bien entendu, comme beaucoup de choses. Donc merci à toutes les personnes de l'IHP qui se sont investies. Donc j'ai déjà cité la pilote Marion Liévig et la copilote Sylvie Lhermitte. Il y a un certain nombre de personnes que vous avez pu voir à l'accueil, un peu partout, là, qui permettent cet événement. Et puis aux organisateurs scientifiques. Alors on a eu l'implication du précédent directeur adjoint de l'Institut Henri Poincaré, Rémi Monasson, mais depuis il a été remplacé par Dominique Moana, qui a repris le flambeau. Et j'ai perdu l'écran de mon antisèche, voilà. Et par ailleurs, donc Julien Méral, ici présent, qui va aussi vous dire quelques mots, et Liva Ralevola, qui va arriver un tout petit peu plus tard. Et il y a un certain nombre d'autres représentants des entreprises partenaires qui étaient dans le comité scientifique. Alors, la thématique de l'intelligence artificielle, je pense, est particulièrement appropriée à des événements d'ouverture sur la société, de dialogue entre monde académique et monde de l'entreprise. En ce qu'elle comprend des enjeux de société forts, comme on va le voir, des problématiques scientifiques profondes, sans vouloir faire trop de jeux de mots, et des champs d'application extrêmement variés, et on va en avoir un certain nombre d'exemples ici. Au passage, je voudrais signaler que dans le cadre d'un autre triptyque, celui du réseau national entre la Maison Poincaré, la Maison des mathématiques et de l'informatique à Lyon, et la Maison de Fermat à Toulouse, une exposition sur l'intelligence artificielle a été conçue donc ces derniers mois, années, et elle est actuellement présentée à Lyon. On l'aura aussi ici plus tard, et elle sera présentée à la Maison de Fermat. Alors ces 2 journées promettent d'être passionnantes, y compris pour les jeunes qui pourront se joindre à nous, s'ils ne sont pas déjà là, demain après-midi pour écouter d'autres jeunes. Je souhaite que ces journées soient fructueuses en matière d'interaction et ouvrent un maximum de portes sur l'avenir que nous espérons tous et toutes radieux, bien entendu. Voilà, je passe la parole à Dominique, peut-être. Merci. Voilà, bonjour à tous et à toutes. Pour rentrer un peu plus dans le détail de ces 2 journées, donc il y aura 3 demi-journées qui vont être ici et là présentées par des,
chercheurs confirmés et qui vont essayer de montrer effectivement que l'IA a un statut particulier aujourd'hui. C'est effectivement au carrefour entre les sciences fondamentales et beaucoup de domaines de la société. Donc on illustrera ce fait à travers des exposés dans lesquels il y aura cette articulation, par exemple, entre informatique, médecine, informatique, justice, informatique et des tas de domaines comme même la politique, la communication. Et donc, ce sera fait donc par des gens de divers domaines. On essaiera d'avoir un double point de vue qui va être, d'une part, de montrer les applications de l'IA dans certains domaines, et aussi essayer de montrer inversement, avoir un regard extérieur, pour essayer de discuter de l'impact de l'IA sur la société. Donc il y a des questions éthiques qui se posent, par exemple les questions de confidentialité des données. On parlera aussi des biais de genre qui sont introduits par le numérique et l'informatique. Et puis il y aura aussi donc des questions qui sont liées à l'énergie. Alors là, l'IA peut avoir deux aspects intéressants. C'est d'abord, ça va permettre d'optimiser le cheminement de l'énergie, sa distribution. Mais aussi, il y a une question qui se pose, c'est la question de la consommation énergétique de l'IA. Bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'en fait, il y a des problèmes aujourd'hui qui sont liés à une consommation, une surconsommation d'énergie. Le secteur du numérique est passé devant le secteur aérien. Voilà, un clic sur Internet, c'est équivalent à 24 heures de combustion d'une ampoule. Donc, il y a des problèmes qui sont liés à l'utilisation du numérique, mais à l'utilisation de beaucoup de technologies modernes. Donc, ce sera aussi discuté. Et puis, il y aura donc cette demi-journée ici qui sera consacrée à des interventions faites par des jeunes chercheurs, donc soit en thèse, soit en post-doc. Et donc l'idée, ce sera de présenter aux autres jeunes qui vont être les auditeurs, les parcours, les formations, et puis les directions prises aujourd'hui par des jeunes qui rentrent dans le domaine. Donc essayer de montrer en quoi ce domaine est attractif, qu'il est extrêmement... il se conjugue selon énormément de directions, donc vous le verrez ici. Et donc on essaiera de faire ensuite un point sur ces journées et en essayant de prendre, comme d'habitude, du recul sur l'IA aujourd'hui. Voilà.